Villa Agora apporte au monde socio-économique une chose très simple, des ressources humaines, des talents. Nous avons 500 000 personnes qui sont passées par l'université ces dernières années et par conséquent, vous allez pouvoir les solliciter au travers de cette plateforme Villa Agora. Alors, il y a trois spécificités de Villa Agora par rapport aux autres réseaux qui peuvent exister. D'abord et avant tout, pour l'université, c'est une façon de développer sa marque employeur, c'est-à-dire tout simplement son existence, son image et sa notoriété. D'autre part, pour les entreprises, pour les acteurs du monde socio-économique, c'est une démarche encore plus rapide et validée. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont sur ce réseau ont été déterminées comme ayant véritablement le diplôme. Villa Agora, c'est un réseau différent. D'abord, c'est un réseau de confiance, c'est-à-dire entre personnes qui se connaissent et qui s'apprécient. Et c'est un réseau qui aura plus d'efficience que les réseaux généralistes. Ce qui va favoriser les interactions, c'est tout simplement la capacité à développer des projets en recherche, en formation, en insertion ou dans d'autres domaines. Et ces éléments-là constituent en fait notre baseline qui est tout simplement développer un lien durable et profitable à chacun. Villa Agora va intégrer les différents réseaux dans quatre dimensions. D'une part, dans la richesse, dans la diversité, dans l'élargissement et puis surtout dans la solidarité. Ça veut dire que l'université et chacune de ses écoles, facultés, instituts travaillent ensemble pour l'avenir professionnel des étudiants et des diplômés.